Moi, ça, les amis, mais c'est avec un pile plaisir qu'il nous rencontre aujourd'hui, à qui c'est dimanche 23 janvier, pour nous ensemble pour partir dans le cadre d'études semaine. Et bien, oubliez, semaine ça, nous avons la cinquième leçon, hein, qui porte le titre Jésus, celui qui donne le repos. Avant même que nous rentrions dans la portion qui nous devait aujourd'hui, on nous prie le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour ce que vous faites pour nous. Et pour ça encore, vous comptez réaliser dans la vie nous. Tandis que nous réunissons pour nous étudier la parole. Nous demandons que vous soyez capable de nous un esprit clairvoyant pour nous comprendre et mettre en application parole, ça vous fait grâce. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour l'effort que vous faites chaque jour et dans le but pour être capable d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Et nous encourager l'effort et nous dire qu'il y a un peu. Et moi, je encourage à chaque fois que vous finissez d'étudier pour aider l'autre monde, étudier tout pendant que vous-même vous partagez les leçons ça ensemble avec l'autre monde. Et comme ça, plus de monde capable de arriver vraiment étudier leçon école sabbat. Et si vous n'avez pas de quoi abonner ensemble avec Chanel là, moi encourage vous à faire ça. Et encourage l'autre monde tout faire, même j'ai ensemble avec vous. Semaine là, Jacques nous dit dans la cinquième leçon, hein? Jésus, celui qui donne le repos. Verset à mémoriser. Deutéronome chapitre 10, verset 19. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Mais ces versets, ça nous vient pas dans ce maintenant. Pour que nous sommes capables de mémoriser Deutéronome chapitre 10, verset 19. Je dis à qui c'est dimanche 23 janvier. Nous allons ensemble partir de son qui titrait Le pays comme lieu de repos. Le pays comme lieu de repos. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 21. Nous allons qui promesse que bon Dieu lui-même l'était fait ensemble avec Abraham. Genèse chapitre 15, verset 13 à 21. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront à servir, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront à servir, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en terre avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniziens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgaziens et des Jébusiens. Eh bien, Noé, et quand bon Dieu lui-même, il était délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Bua, c'était mener Israël dans le pays Canaan pour que il était capable de reposer. D'après Exode 33, verset 14, Josué 1, verset 13. Pays Canaan, c'était héritage que bon Dieu te promet avec la baie avec Abraham, qui c'était papa en nation ça, parce que Abraham était obéi ensemble avec bon Dieu. Et Abraham était d'accord, quitter la Kaili, pour aller dans terre ça qui bon Dieu lui-même était pour mettre l'état balier bien qu'il pas de côté il pourrait aller mais bon Dieu te dit lever et Noé Abraham était d'accord lever pour y aller. Objectif bon Dieu lorsque il bail avec peuple Israël là et bien et territoire ça c'est pas seulement pour te posséder mais bon Dieu te voulait ramener peuple là ensemble avec lui. Bon Dieu te voulait vivre et bien bon Dieu voulait peuple là vivre dans un pays côté que peuple là t'es capable de nourrir ou bien jouer une relation intime ensemble avec lui sans pas de rien qui t'est empêché ou bien un côté que peuple ça t'es capable témoin bon Dieu pour t'es capable montrer avec tout le monde comment vrai Dieu a lui-même lié comment fonctionner ensemble avec peuple qui ça offrit ensemble avec peuple et ben nous à l'instar du sabbat de la création et ben pays Canaan c'était un cadre qui te permettent avec les hommes gagner une relation ensemble avec Rédempteur Yoa pour être capable de jouir bonté et bien Rédempteur ça. C'est-à-dire,
Donc ouais, c'est pas seulement un pays pour te reposer, c'est pas seulement ça, mais c'est ton pays tout pour être capable de développer une relation intime ensemble avec bon Dieu et pour être capable de montrer l'autre nation yo, eh bien comment vrai Dieu ça lui-même les fonctionner. Eh bien, là nous lisons dans Deutéronome chapitre 12 verset 1 à 14, eh bien nous ouais, bon Dieu dit ensemble avec peuple là qu'il voulait entrer dans le repos ça. Non simplement quand ils entrent dans le repos et non simplement les gens vont entrer dans le repos, mais lorsque eux-mêmes ils vont gagner, ils y a gagné pour être capable d'éliminer toute idolâtrie qui gagne dans le pays ça. Non seulement rentrer dans le pays là, mais écraser, anéantir, éliminer et bien tout ça qui gagne rapport avec l'idolâtrie, parce que c'est un pays côté que peuple là était doué maintenir une bonne relation ensemble avec bon Dieu. Et bien, après ça, bon Dieu d'abord montré yo et bien il y a un lieu ben côté lui-même il pral habiter dans mitan yo, c'est-à-dire avec élu yo, bon Dieu d'abord montré yo dans mitan yo qui côté lui-même il t'a pral habiter. Maintenant nous pral les deux textes, et c'est Exode chapitre 20 verset 8 à 11 et puis Deutéronome chapitre 5 verset 12 à 15. Nous pral regarder qui des bagailles qui commémorer et ben repos sabbat et dans qui ça eux-mêmes yo lié. Dans Exode chapitre 20 verset 8 à 11, il dit comme ça: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous voyons les Kounala dans Deutéronome chapitre 5. Nous voyons les versets 12 pour nous arriver dans verset 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Et ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Eh bien, Noé, Dieu, t'es lié sabbat à la création et à la délivrance de l'Égypte. C'est-à-dire, non seulement ça va lier avec la création, c'est-à-dire l'origine des choses, et lié tout avec délivrance que bon Dieu te bail peuple là, eh bien en Israël et en Égypte. Eh bien bon Dieu bail l'ordre, bon Dieu bail Israël l'ordre pour observer ça va comme mémorial de la création et mémorial de rédemption en Égypte. La création et la rédemption, yo tous les deux yo marché ensemble dans commandement ça va. Nous pas cap créer tête nous. Et nous non plus nous pas capable racheter tête nous. C'est un travail que seul bon Dieu capable faire. Et ben les nous reposer, les nous reconnaître que nous dépendons de lui-même. Non seulement pour notre existence, mais également pour notre salut. C'est-à-dire observation sabbat, c'est une expression forte du salut par la foi seule. C'est-à-dire nous en dans sabbat, nous jouons deux éléments importants qui attache ensemble avec lui, non seulement la création, mais également la rédemption. Nous pas capables de créer tête nous, c'est bon Dieu qui crée nous. Nous pas capables de sauver tête nous, c'est bon Dieu qui sauve nous. Et nous jouons tous les deux actions ça, eh bien, nous causer sabbat. C'est ça que fait bon Dieu, lui demander pour que nous capables d'observer sabbat. Eh bien, nous qui ça, le fait nous observer sabbat, lui aider nous à comprendre comment nous dépendons totalement, eh bien, de bon Dieu. Non seulement pour notre existence, mais également pour notre salut. Ça c'est réflexion et bien pour journée. Et bien nous est parti le son jeudi à le pays comme lieu de repos. Et bien nous est pays que bon Dieu te promet la bail avec peuple Israël là. Et bien nous considérer pays ça comme étant un repos, parce que non seulement le travail journée pour yo suspendre travail dans l'esclavage, pour suspendre forcer au travail, mais tout pour que tu es capable de maintenir une bonne relation ensemble avec bon Dieu. Et pour que vous êtes capable de témoigner bon Dieu, ça, c'est-à-dire pour que vous êtes capable de faire l'autre nation connaître qui est ça, et bien bon Dieu, ça lui-même lié. Et nous, il y a deux bagailles qui sont liées avec sabbat, et bien vous marchez ensemble, et bien c'est la création et la rédemption. Raison simple, parce que non seulement nous ne sommes pas capables de créer tête nous,
mais nous pas capable de sauver tête nous, mais bon Dieu fait tout pour nous et nous voyons tout yo paraît dans sa nouvelle sabbat. Et bien en gros c'était parti de son ça qui nous apprend aujourd'hui qui c'est dimanche 23 janvier le pays comme lieu de repos. Avant nous aller à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole ou aidez nous pour que nous capables mettre en application et l'on va venir nous va traiter nous comme de bons et fidèles serviteurs. Nous pas gagner mérite pour qu'on dans nos Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bon étudiant et que Dieu vous bénisse.